Bonjour. Bonjour Kenza Manuela. Bon, cette vidéo, elle a été faite le matin, vous savez pourquoi? Le titre de la vidéo, je vais vous montrer quelques rituels importants que vous devez faire le matin. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous prenez toujours votre vie au hasard. Je sais pas pourquoi. Bonjour Bénédicte Rimon. Ta vie te dépasse, écoute ce que je dis, fais ce que je dis. Ouais. Nawetina. Nawetina. Ah. Il y en a parmi vous, vous avez acheté des encens chez moi. Voilà comment vous devez les utiliser. Tu te lèves le matin. Monsieur le Bafouna, bonjour. Simon, Nicole, tu dis que me voici quoi? Me voici quoi? Oui, me voici. Écoutez-moi. Hein. Ce qui va tomber dans votre genou aujourd'hui dépend de ce que vous allez faire le matin. Et c'est que vous êtes encore couché dans le lit. Vous tournez, tu tournes quoi dans le lit? Comme ça qu'à 7 heures, tu vas tomber du lit. Tu vas arrêtez de vous laisser malmener. Bonjour la reine Bonne. Pour moi, si tous les Camerounais sont riches, les Béninois, les ceci, je suis suivi par les Ivoiriens, je vais commencer à me déplacer, je vais aller dans d'autres pays. Donc j'ai commencé Yaoundé. Le Tchad, je serai en N'Djamena. Je suis en N'Djamena en janvier. Écoutez bien. Vous m'entendez? On vous a menacé jusqu'à présent. Parce que vous laissez seulement votre vie comme ça, là, élan, élan. Vous croyez que c'est pour rien que les musulmans de votre quartier sont écriés dans vos oreilles à 5 heures le matin? Ouah, ouah. Le truc, c'est que les autres religions, hein, on vous laisse aussi seulement comme ça. Arrêtez d'être simple. Merci pour les partages. Tu te lèves le matin. Même si tu as dormi avec n'importe qui, chez n'importe qui. Je vous ai parlé des encens. Mes encens ne sont pas moins chers. Oui, Bénédicte, attendez, moi je vais venir à Abidjan. Je ne blague pas. Je vais venir. Yamina, déjà, je vais en janvier. Vous levez le matin, première chose, j'ai fait une vidéo sur YouTube que j'ai mis hier. J'ai dit dans la vidéo que il y a les rituels que tu as fait dans ton endroit de business. Donc là où tu dis que tu as ton magasin, tu vends tes choses. Wow. Tu te lèves le matin, arrêtez de dire que tu veux parler au bébé. Laissez vos conversations que vous faites dans le lit le matin là. Pas pointer tes choses spirituelles. Tu vas à la douche. Bonjour de la Normandie, bonjour. Tu as besoin des encens, commandez, on vous envoie, pardon. L'encens t'aide à purifier la maison.
Il y a certains de vos maisons là qui ont les mauvais esprits jusqu'à... Tu dors, tu ne dors pas. Je n'ai pas fait le... Je vous ai parlé des rituels avant de dormir. Ça, c'est seulement pour le matin. Si tu sais que tu dois sortir de la maison à 7h00, lève-toi à 5h00. J'ai dit que tu ne parles à personne. Ça marche dans n'importe quel continent. N'importe quel continent. Ne me dis pas que tu ne connais pas comment je suis piégé à Bepanda, Misoké. Tu ne connais pas comment je suis piégé. Je suis à Johannesburg, je ne sais pas où. Les enfants, moi, ils vendent mes enfants à 1000 francs un paquet. Si vous connaissez là, on fait moins chez Opatel là-bas acheter. Mais quand ils touchent quelque chose pour vendre aux gens, je vends mes enfants à 1000 francs le paquet. Tu as besoin de quoi? Ça. Tu as besoin de tes encens. Les sels. Si vous êtes nouveau sur ma page, j'ai mis une vidéo sur les sels ici là. Comment se laver avec le sel? Comment se faire avec le sel? Comment faire comme ça avec le sel? Les sels. Si tu n'as pas encore commandé les sels, ils vont encore arriver. Prends seulement. Écoutez, j'ai rencontré des gens qui sont abonnés à ma page. Ça fait un an. Vous n'avez jamais touché le sel pour vous laver avec. Vous n'avez jamais même pris un encens pour dire que je vais aussi voir ce qu'elle dit tous les jours là. Je ne suis pas folle. Dieu m'a envoyé pour vous délivrer de votre ignorance ou bêtise dans laquelle vous étiez. Tu as dormi dans la nuit. Est-ce que tu as bien dormi? On a vite étranglé la nuit, non? Bah, tu es parti tomber sur le lit comme ça. On ne dort pas comme ça. La nuit, c'est le moment où les ancêtres te parlent. Tu te lèves tôt. Tu visualises ta journée. Tu parles sur ta journée. Écoutez, dans le monde spirituel, si je parle ma part, tu parles ta part. Merci Aménia, bonjour. On va voir pour celui que ça va donner. Bonjour Ngameni, il est à la reine Ngameni. Tu te lèves, tu ne parles à personne. Si tu sais que ton mari n'est pas dans les choses comme ça, là, ne le dérange pas que bébé, tu ne fais pas. Non, laisse-le. Lève-toi tôt. C'est un parmi vous. Lusa, si tu as Yaoundé, on peut envoyer à Yaoundé. Chaque jour, on envoie des paquets à Yaoundé. Il y a quelqu'un à Yaoundé chez qui tu peux partir, il te donne les choses. Il y en a que si tu es trop, il n'y a pas de... Si il y a pas, on t'envoie plutôt. Si ton mari ne comprend pas tous ces trucs que j'explique, laissez-le. Si ta femme ne comprend pas, laissez-le. Ça, c'est le soc. Il y a le jujube, il y a le soc. Je ne sais pas comment vous appelez dans votre langue. Il y a le long si les Bamiléké là. Ce n'est pas seulement pour les Bamilékés. Même les Ivoiriens, vous trouvez ça, vous utilisez. Écrivez-moi sur WhatsApp pour les... Ok? Voilà. Ça là, je ne montre pas, je ne parle pas pour ça aujourd'hui. Je parle pour ça. Donc, voilà les enfants qui sont en train de brûler. Papa, où c'est Edith? Edith, pardon. Écoutez, si vous arrivez sur ma page, je parle avec la Bible. Je prends l'arbre de paix. Je parle, je mets le sang de Jésus sur ça. Voilà la croix. Il y a Marie. Il y a mes ancêtres, les voilà là-bas. Pardon. Si ce que je dis vous dérange, je ne suis pas la personne pour vous. Quand on m'a appelé, regardez. Voilà le chapelet sur mon cou. Vous avez compris. Voilà le ndop sur moi. Toutes les forces là sont derrière moi. Tout. Le Saint-Esprit me protège. Mes ancêtres, voilà mes ancêtres. Et voilà. Et voilà. Vous avez compris. Mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je suis le genre de fille que vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu mon jassi. Donc, quand vous allez dire, mais ça ne... les chrétiens qui me voient, ils sont énervés. Les traditionnalistes, ils disent, mais elle fait quoi comme ça? Mais je connais seulement que ceux qui m'ont envoyé, hein, ceux qui m'ont donné. Hein, je donne. Et pour ceux qui font, j'ai les témoignages. Même d'abord, c'est ma vie. Donc, je laisse pour vous et prends seulement ma part. Ça marche. Voilà. Voilà, regardez. Voilà mon truc et bois mon vin avec. J'ai mes chapeaux du village qu'on m'a donné. Vous me comprenez, non? L'Église vous a démunis de votre spiritualité.
On vous a apporté la religion. Quand j'ai les religieux qui passent cela, j'ai dit que pardon, laissez. Quand il y a les traditionnels qui viennent, pardon, laissez. Voilà. J'espère que c'est clair. Je n'ai moi rien contre qui que ce soit ici là. Mais moi, je donne le message qu'on m'a donné de donner. Tu te réveilles tôt. Tu prends ton socle, c'est là. Je ne connais pas comment on appelle ça. Tout ce que c'est qu'il y a les petits grains dedans. Il y a les petits grains dedans. Voilà, ça, il y a les petits grains dedans. Ça, c'est le jujube. Donc, il y a les petits grains dans l'autre aussi. Ça marche peu importe ta nationalité, peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe. Parce que les mauvais esprits, là, quand ils veulent vous opprimer, ils ne tiennent pas compte de ta couleur, ils ne tiennent pas compte du pays où tu te trouves. Ils sont là. Même ta maison, tu peux avoir une belle maison, mais qui est hantée. Voilà. Tu te lèves tôt. Tu descends du lit. Ne parle pas à quelqu'un. Tu pars dans ta douche. Un endroit, tu seras seul. Généralement, bon. Si dans votre maison, j'ai la douche dans ma chambre, donc ça me va. Tu prends ça. Si c'est la première fois que tu n'as pas encore ouvert, ça c'est très très rare d'ailleurs. Sur le marché, c'est presque fini. Donc j'ai trouvé mon fournisseur, j'ai pris beaucoup. Ce qui fait que si vous envoyez les paquets en Europe ces derniers jours, si vous avez au moins un dedans. Donc dans vos prochaines commandes, je vais ajouter. Tu prends ça, tu en ouvrant. Ok. En ouvrant, c'est si tu mets derrière. Tu donnes tes voeux. Voilà, Seigneur, comme je détache ceci. C'est pour ça que vous devez aussi savoir ce que vous voulez. Je vous dis, beaucoup d'entre vous, quand j'ai les gens ici qui viennent pour les lavages, consultations, je dis, tu veux quoi? La personne ne connaît pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Voilà. Ok. Je veux payer mes dettes de 9 millions. J'ai une femme misée là, sur 9 millions de francs CFA. Je veux résoudre si tu veux payer cette dette-là d'ici le 23 janvier 2022. Ok. Tu veux quoi? En ouvrant que tous mes voeux que je vais donner, c'est là que ça marche. Tu fais ça là, tu détaches. Ça là, c'est nouveau, je n'ai pas encore détaché. En ouvrant, tu ouvres pas derrière, dans ton dos. Hein. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Voilà, on appelle aussi le don. Merci. Oui, si tu n'as pas le sort, utilise le jujube. Le jujube, j'ai fait un processus. Le jujube a tellement de vertus. Tu peux utiliser 3 grains de jujube, tu mets 7 grains de jujube. Tu ouvres, tu mets 7 dans ta bouche. Pour le sort, si c'est ce rituel particulier, vous pouvez regarder sur YouTube. Ma chaîne YouTube, voilà, les piments guinéens. Ma chaîne YouTube, le nom, c'est le nom, c'est de Gidiga Academy. J'ai mis une vidéo là-bas où je explique tout le long de la vidéo. Je dis comment utiliser ça. Tu prends 7 grains, tu mets dans la bouche, tu fais tes déclarations. Après, tu contournes ta main, ta tête. Et après, quand tu as fini maintenant, tu mâches ce qui est dans la bouche, tu avales. Ce qui est dans la main, tu jettes. Allez, pour plus de détails, pour ça en particulier, partez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez mes vidéos. Ok? Tu fais ça sans parler à personne. Deuxième chose. Supposons que tu m'écoutes. Tu viens, tu es encore dans le lit. Tu dis que la fille, il parle même de quoi? Sans parler à personne encore. Hein. Si tu as les encens, tu allumes. Ça va commencer à purifier. Donc, peut-être demain matin, je vais vous montrer ce coup le soir. Je vais vous montrer comment dormir. Donc, comment mettre ton endroit pour dormir la nuit. Comment t'assurer que tes rêves là, ce sera net, net. Même si tu dors avec quelqu'un qui n'est pas protégé, toi, tu es protégé. Vous dormez ensemble. Hein. Une entité arrive, ça dérange la personne, ça ne te touche pas. Comment dormir? Tu es connecté à l'esprit. Donc, tu prends ton seau, tu prends l'eau, tu mets dedans. Vous allez arrêter de vous laver avec seulement l'eau qui tombe comme ça sur votre tête. Parce que le moment où l'eau, quand tu te laves, l'eau là, c'est un moment très spirituel. Très spirituel. Tu dois parler sur ton eau. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont vulgarisé les savons. On a fait de l'eau. Quand tu regardes le film, quelqu'un se lève, il va, il tombe dans la douche. Chut. Oh, mais tu sais, je suis tombé du lit. Je devais. On ne tombe pas du lit. On ne court pas pour sortir comme ça là. Devenez sage. Vous me comprenez, non? Devenez sage. On vous a dérobé. Tu te maries, tu divorces. Ta bénédiction vient, ça part. Grossesse, fausse couche. Non, non. Toutes vos choses-là. Le dévoreur passe dans votre maison. Cette main-ci, comme vous voyez là, ça, c'est ma main droite. J'ai dit pour plus de détails sur ce que j'ai dit là. J'ai arrêté ça avec la main gauche. Allez dans ma vidéo YouTube.
Vous partez regarder. Là-bas, j'ai expliqué tout. Donc ici, je vous survole seulement les choses que vous devez faire. Voilà. Donc, tu prends ton eau, tu mets dans le seau. Tu prends ta Bible. Tu l'ouvres. Si ce sont les toilettes pour plusieurs, tu passes. C'est pour ça que je demande de partir tôt. Soyez sage. Utilisez les premières heures de la journée. Arrêtez d'être simple. Tu peux vivre quelque part avec les gens que tu domines. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Tu ouvres ta Bible, Proverbe. Tu lis le psaume 91. Autrui, Yaya, non, c'est bien comme tu commences à comprendre. Mesdames, vos maris vont arrêter d'être bêtes, bêtes, simples, simples. Tu parles, ils n'écoutent pas, tu parles, ils n'écoutent pas, ils parlent, ils tombent. Youp. Après, ils viennent te dire, ouais, tu avais raison. Donc, je vous ai dit que la formation spirituelle qui commence le 10. On a commencé la formation mission de vie. Ceux qui ne connaissent pas leur mission de vie, cette formation-là, j'ai réduit le prix, c'est 100 000 francs CFA. Comment découvrir ma mission de vie? On a commencé hier. Commander les produits, tout ça là. Bon, tu prends Proverbe. Je vais vous donner les passages que vous allez lire sur votre haut. Le psaume 35. Tu fais tôt quand tout le monde dort, oui. Il y a les gens. Il y en a parmi vous. On a dit que tous les membres de votre famille. Bonjour Carla. Que ce soit cousin, coudon. On a dit que tous les petits-fils de cet homme-ci là, vous n'allez pas avancer. Et toi, tu es parmi. Moi, j'ai toujours dit que je serai la première dans ma famille. Peu m'importe ce qu'on a mis comme sortilège. Ça va se briser avec moi. Je ne blague pas. Votre foi. Et la foi, c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas. Mais je suis resté comme ça là. Mon cœur commence à dire que je peux être libéré. Je peux être libéré. C'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas. Mais que je connais. Psaume 91, tu prends, tu lis. Et j'ai une façon particulière de lire mes psaumes. Moi, je ne lis pas que hein, celui qui t'aimait à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il lit mes paroles, j'ai la puissance sur ça. Hein. Il met la puissance dessus. Psaume 91. Je vais vous donner un exemple. Moi, Jocelyne, on a dit que celui qui demeure, je déclare aujourd'hui que je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, 7 décembre 2021. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, par ce lavage, je te dis que tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, je me confie en toi. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Lusa, pardon, ne me dérange pas. Va regarder ma vidéo sur YouTube. Tu as compris, non? Tu as compris. Pour moi, vous savez qu'il est là, comment il ne blague pas. Parce qu'il vient, c'est là, c'est question de vie ou de mort. Vous avez votre destinée qui sont en jeu aujourd'hui. Je t'ai dit, va sur YouTube, tu regardes la vidéo. Ma main gauche est occupée par les encens que je tiens. Donc si tu veux regarder cela, et je ne sais pas, quand elle passe ma main droite, peut-être ça s'affiche gauche chez vous. Bon, continuons. Car Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages aujourd'hui. Par ce lavage, je déclare que je suis libéré de toute peste qui a opprimé ma famille ou encore mes enfants et moi. Verset 4, je déclare que par ce lavage, je suis couvert de tes plumes, Seigneur. Je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Aucune flèche ne peut m'approcher aujourd'hui. Quand je me lave, je déclare que ces flèches ne me localisent pas. Les flèches ne me localisent pas. Vous allez vivre la Bible. Arrêtez, gnagnagna. Oui, Seigneur, ta fidélité est une... Non, non, non. Vous vivez ça. Vous intégrez ça dans votre corps. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare aujourd'hui que même si 1000 personnes tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Par ce lavage, je déclare, je ne suis atteint par aucune flèche de l'ennemi. Mettez le cœur sur ça. Mettez le cœur. Écoutez, je vais vous aider à activer votre puissance. Je vous dis que si vous m'écoutez, vous n'avez pas l'argent de la consultation. Hein, écoutez seulement mes vidéos. 1, 2, 3 semaines. Si vous n'avez pas l'argent de ma consultation, hein, c'est que vous n'avez pas bien écouté ce qu'il dit. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Et je connais la puissance qu'il a mis en vous. On va aller à Deutéronome chapitre 28. Vous lisez tout le psaume là comme ça, en personnalisant.
Vous pouvez prendre en passant Nombre chapitre 23, verset 23. Je déclare aujourd'hui, par ce lavage, aucun enchantement ne peut dominer sur moi, Jocelyne. Aucune divination ne peut avoir de l'impact sur moi. Oh, mon oncle m'a maudit au village. On m'a dit que tous les enfants de ma famille, et quand ta bouche parle comme ça, que ta bouche dans la journée ne te maudisse pas encore toi-même. Vous m'entendez? Je déclare que le temps, la Bible dit que au temps marqué, il sera dit. Je déclare que ce temps est aujourd'hui. Seigneur, on va entendre ce que tu as dit, ce que tu as fait dans ma vie. Bonjour. Deutéronome, on allait à Deutéronome. En passant, on s'est arrêté dans la maison de... On s'est arrêté dans la maison de Nombre. Allons à Deutéronome 28. Ça, c'est un passage très important pour votre déclaration le matin. Je déclare sur moi aujourd'hui. Par ce lavage, j'obéis à la voix de l'Éternel. Vous m'entendez? Parce que la Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant... Je déclare moi, Jocelyne, 7 décembre 2021, j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, et j'observe et mets en pratique tous ces commandements qui me prescrivent aujourd'hui. Seigneur, je déclare aujourd'hui, par ce lavage, tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous m'entendez, non? Ça a raison, avez-vous, parce que vous connaissez. Quand vous partez à l'église, oh, on vous parle, vous partez, on dit, ouais, Seigneur, nous ne sommes que de petites pauvres vermines. Oh, Seigneur, nous ne méritons pas. Mais vraiment, Seigneur. Oh, what are you talking about? What? Je vis la Bible. Je suis la Bible. Ça dérange quelqu'un qui part, il s'accroche en l'air. Vous êtes la Bible. Vous devez déclarer les choses ici jusqu'à ce que ça entre dans vous. Ça doit entrer dans vous. Donc, tu te lèves le matin, quelqu'un te dit que wow, on ne sait pas, on n'est pas sûr si ton application va marcher. Tu dis, monsieur, rien de ce que je fais n'échoue. Essayez encore. Monsieur, essayez encore. Ma chose ne peut pas rater. Monsieur, essayez encore. Parce que tu connais ce que tu as déclaré sur toi le matin. Je suis arrivé à la banque hier. On avait affirmé. Il dit que non, Seigneur, comment? On ne peut pas me refuser. Non. J'arrive devant la machine comme ça là. Quelque chose me dit, va à côté. Je tourne sur le côté. Directement, la gardienne sort. Je dis que voilà, je suis venu, ma carte bancaire, tatata. Elle me dit, entre, tu vois, non. 5 minutes plus tard, j'étais devant le chef d'agence. La banque était fermée pour la pause. Hein. Vous comprenez, non? Yaoundé, je suis là-bas lundi et mardi la semaine prochaine. Djamena, je suis là-bas en janvier. Et je crois qu'après Djamena, je vais aussi faire la Côte d'Ivoire directement. Donc préparez-vous juste. Vous payerez mes consultations en avance. Vous ne payez pas, n'attendez pas que je sois dans la vie pour dire qu'elle va te voir. Parce qu'elle parle n'importe où dans le monde, je suis occupé d'avance. Voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On continue. J'étais dans Deutéronome 28. Par ce lavage, Seigneur, je déclare que voici les bénédictions qui se répandent sur moi aujourd'hui et qui sont mon partage. Parce que j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Je suis béni dans la ville. Vous prononcez la ville là où vous êtes. Je suis béni dans la ville de Douala. Je suis béni à Paris. Les gens prennent vos bénédictions toute la journée. Vous ne... Quand vous sortez comme ça, là, il y a les gens qui ont déjà parlé. Que tous les business de la rue, c'est aujourd'hui, je prends ça. Tu t'es levé, tu n'as pas parlé. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, vous appelez le nom de vos enfants. Mon enfant Jocelyne, Pipou, Papi, non, 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 ils sont bénis. Parlez sur vos enfants chaque matin. Mes comptes bancaires, le fruit de mon sol, le fruit de mon troupeau, les porteurs, à leur temps, c'était le troupeau, leur argent. Mes comptes bancaires sont bénis. L'encens, si ça c'est l'encens. Ça, c'est l'encens pour l'argent. Il y a les encens zam-zam. Je vous ai parlé de ça l'autre jour. Il y a l'encens pour... Il y a 7-7 pour le pouvoir. Il y a 9-9. Il y a plein d'encens. Maintenant, si vous n'avez pas d'encens, il y a seulement un encens. Vous n'avez pas dit que, oh, comme il y a seulement un... Je ne veux pas... Non, laissez. Brûlez ce que vous avez. Ça, là, je brûle... Donc, quand tu brûles un encens,
Tu as dit que voilà, je mets ça là. La consultation, c'est 45 euros. En CFA, ça fait peut-être 29 000. Mais ceux qui sont au Cameroun, je prends 25 000 francs CFA. Si vous me regardez, vous allez gâter votre journée, oh, ceux qui sont fâchés avec moi. Mais si vous êtes fâchés, je m'en fous. Vous ne me connaissez pas encore. Hein? Continuons. Vous déclarez, vous appelez le nom de vos comptes bancaires. Voilà, je suis béni. Vous donnez la ville, vous êtes béni. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Vous prononcez vos comptes bancaires, vos entreprises. Je suis béni à mon arrivée, à mon départ aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la victoire sur tous mes ennemis. Toute personne qui sort contre moi par un chemin, il retourne par sept chemins au nom puissant de Jésus. Vous continuez, vous allez vous parler. Je suis la tête et non la queue. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. L'Éternel nous vaut son bon trésor. Quand vous finissez ça, vous vous lavez. Vous vous lavez. Vous vous lavez. Et quand vous vous lavez comme ça, là, vous avez mis le sel dans l'eau, hein, le sel et le sucre. Hmm? Si vous avez reçu les produits là, on a là, vous mettez dedans. Aujourd'hui, j'enlève toute personne qui est venue avec ces mauvaises énergies là, en croyant que je vais voir ces messages, je vais être mal à l'aise. J'enlève. Au nom de Jésus, je déclare, cette journée est prospère pour moi. Selon le proverbe 4, verset 18. Aïe! Voici un proverbe qui est, c'est la chimamelu. Proverbe 4, verset 18. Je déclare aujourd'hui que le sentier de Jocelyne qui est juste, mon sentier aujourd'hui est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que ce que j'ai fait hier ne sera pas aussi brillant que ce que je vais faire aujourd'hui. Hier, j'ai eu 1 million de bénéfices. Aujourd'hui, c'est 1 million 5. Après-demain, c'est 2 millions. Vous me comprenez, non? Tu ne peux pas mourir avec moi, Nana. Tu vas avoir la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Proverbe 10, verset 22. Je déclare sur ma journée. Moi qui suis béni. Le proverbe 10, verset 22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare aujourd'hui que je n'ai aucun chagrin. Écoutez-moi bien. Aucun. Vous savez qu'il y a les gens qui vous poursuivent pour mettre la... pardon. Tu peux prendre ma joie. Hein? Je n'ai pas encore né. Parce que quand Dieu me bénit, hein, il ne fait suivre ça d'aucun chagrin. Je déclare que cette journée est libérée de tout chagrin. Je déclare que ma journée est prospère. Je déclare que toute langue qui s'élève contre moi aujourd'hui, je condamne. Selon Isaïe 54, verset 17. Vous voyez comment votre puissance monte. Votre puissance monte. Oh, la kashakarababo santa. Vous finissez ça comme ça, là, vous lavez bien. Vous laissez ça sèche. Ça sèche. Pendant que ça sèche, vous brossez vos dents. Vous avez compris, non? Vous allez me voir, je vais encore monter. Je vais encore monter. Mes abonnés vont monter. Mon agent va monter. Mes vues vont monter. Vous allez avoir le mieux. Ça va vous déranger. Je m'en fous. Si vous savez le nombre de personnes qui ont essayé de me faire tomber. Quand ils essaient, le lendemain, ils viennent, ils voient que je suis encore plus forte. Ouais. On rit devant ses ennemis. Vous savez quoi? Vous savez quoi? La vie, c'est là. Vous savez quoi? Vous n'avez pas encore commencé à voir l'argent. Vous n'avez pas encore commencé à voir le bonheur. Vous voyez comme avant, là, un jour, ça donne. Après, tu dis, est-ce que ça va donner? Il y a un moment où, tout donne. Maîtrisez votre matinée. Maîtrisez votre matinée. Vous entendez? Quand tu déclares comme ça là, qui peut se placer devant toi aujourd'hui jusqu'à il te fait trembler? Qui? Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. À votre avis, Dieu lui-même a dit que si on forme un complot contre toi, ça ne vient pas de Dieu. Donc si ça ne vient pas de Dieu, qui, quoi, peut, personne? Vous voyez, non? Je vous bénis. Je bénis votre journée. Vous entendez? Je déclare que vous recevez les idées de projets. Et vous recevez le financement pour ces projets. Vous m'entendez?
Je déclare que votre foi, votre vivacité, le courage que vous attendez, j'ai là, non. Parfois, les gens me regardent, ils me disent, la fille, si tu prends ton courage où? Il dit que j'ai les ancêtres derrière moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout. Il dit que je suis chargé, overloaded. Overloaded. Vous me cherchez, vous ne me voyez pas. C'est la même chose pour vous. Vous m'entendez? Vous m'entendez, non? L'onction de multiplication qui part dans ma vie là, je dépose ça sur vous aujourd'hui. Quand vous finissez, appelez toute la. Si vous avez la photo de vos ancêtres chez vous, grand-père, grand-mère, prenez leur bénédiction. Merci grand-mère, merci grand-père, marchez devant moi aujourd'hui, inspirez-moi, guidez-moi. Vous avez compris, non? Faites ça pendant une semaine. Si votre vie ne change pas, envoyez-moi la bière. Que le Seigneur vous bénisse, ok? Moi-même, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis et je vous bénis. Je déclare que ce que vous venez d'entendre, aucun voleur, aucun dévoreur ne va prendre ça. Vous allez mettre en pratique. Tous les sorciers de votre vie vont être exposés. On va les voir. Ils ne vont plus cacher pour eux. Ils ne vont plus cacher. Donc ils vont venir ça devant vous. Ho ha. Ho ha. Vous allez les voir. Oh, Decepticon, dont tu te cachais depuis. Hein? Psaume 23, verset 5. Le Seigneur dépose une table devant moi. Mes adversaires sont là, ils me regardent. Tu viens chaque jour sur mes directs, tu vois mes vues augmentent. La fille s'y m'énerve. La fille s'y m'énerve. Je suis toujours là. J'avance. C'est ce que vous allez dire à tous vos Decepticons. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez, non? Avant, ils mangeaient dans votre plat. Ils faisaient le ndok chez vous. Vous les avez abrités chez vous. Aujourd'hui, si on les parle mal contre vous, la malédiction va les suivre. Est-ce que ça vous suit? Continuez à parler mal contre moi. Vous allez voir. Bon, passez une bonne journée. Le genre de puissance que vous avez reçu ce matin, c'est là. Vous allez ramasser l'argent dans le bus. On va vous virer 1000 euros aujourd'hui comme ça. Là, que madame, on s'est rappelé qu'on vous devait de l'argent. Quelqu'un va t'appeler que ma chérie, je ne sais pas pourquoi. Il fallait que je te rembourse. Pardon, prends, j'en vais où? Il y a des gens que je reste souvent au ça là. On me force pour me payer que prends. Yay. Yay. Maman, c'est votre témoignage aujourd'hui. Recevez. Mettez une bonne musique là. Mettez une bonne musique. Oh, we thank you. Vous savez quoi? Je ne bloque pas certains de mes Decepticons. Je les laisse sur ma page. Ils se lèvent le matin, ils me regardent. Ça les énerve. Je dis qu'ils me regardent. Je monte. Yay. Je ça dit que yay. Mais la fille, là, on doit faire quoi? Bonjour, le roi Feuillot. Ouais, Seigneur. Je sens que. Non, il y a un dégât là qui vient de recevoir aujourd'hui. Peut-être on va m'appeler, on va me donner même. Je sais pas, je sens qu'aujourd'hui, là, il y a les choses qui arrivent. Quand votre bénédiction est en train de venir, vous sentez ça, c'est là. Mettez bonne musique, vous dansez. Vous avez entendu, non? Bonne musique. Voilà. Oh, oh. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je commence les consultations. Non, celui que je suis censé prendre, je vous prends en consultation maintenant. Bye bye.